reste, ne suis-je pas prisonnier moi-même, ô ravissante Agathe? Oh, monsieur Lousteau! Appelez-moi des merlettes, à la campagne! Oh, des merlettes, Lousteau? Vos grandes horribles me sont insupportables! Tant mieux! Ça prouve qu'elles ne vous sont pas indifférentes. Mais je vois ce que c'est, vous êtes agacée, jalouse! Mais de qui? De cette littérature? Oh, un museau de pixels! Auquel on aimerait à se frotter. Enfin, je parle pour les autres. Quand je pense ce matin, j'ai failli pleurer pour faire mes... Oh, c'est une vie, comme il le dit, ça m'a bien réveillé. Alors, c'est Esther. Oh, celle-là, je lui devrais plutôt la reconnaissance de me débarrasser momentanément de M. Bognard. Car je le connais, il a l'air de s'allumer. Mais il ne flambe pas. Oh, si rarement. Eh bien, alors quoi? Oh, vous avez raison, je fais pas ce que je dis. Il faut prendre le temps comme il vient. Des merlettes, je vous autorise à me faire la poudre. Oh, mais je voudrais bien. Vous n'arriverez à rien. Ah, convenu. Ça se dit toujours, ça. Oh, mais c'est le vicomte. Et c'est lui qui est là pour l'entrée. Oh, il ne rit plus, ma parole. Cher ami, ainsi,
mon bras, madame, et mon cœur. Oh, le bras suffit. Il faut bien commencer par quelque chose. Eh bien, Hélène, où en es-tu avec le limon? Eh bien, maintenant, il m'a tout l'air d'être en train de se déprendre. Oh, mon Dieu! Pardon! Non, pas encore! Évidemment, mademoiselle Véronique du Cétacé, de vos mérites, elle aurait disparu maintenant qu'il aurait remplacé le plume des mineurs avec n'importe laquelle de ces demoiselles. Ce n'est pas tout à fait là ce que je veux, et je prétends que mon départ lui soit un peu plus sensible. Oh, pourtant, le rôle que nous jouons me paraît plutôt dangereux. Allons donc, Nathan. Oh, s'il ne l'est pas pour toi, il est pour moi. Jacques, M. Coquetard m'a aperçu sous un jour, intempestif. En outre, pour la vraisemblance, j'ai dû tolérer certaines familiarités, mais cela trouble toujours un peu, n'est-ce pas? Sans compter que, il n'est pas mal du tout, cet animal. Oh, le champ d'azur troublé par un bourgeois. Que doit-on penser, mes aïeux? Il s'occupe bien de ça, va. Mais rassurez-vous, je tâcherai de vous rendre le plus vite possible toute votre tranquillité. Oh, je ne la retrouverai que lorsque nous serons loin d'ici. C'est bien. Alors, oui, madame, vous attend. Oui, je vous ai gardé une place à côté de moi. Allez, venez, ma petite. J'y vais. Ah, t'es pas mal. Oh, le chat, mon Dieu, que des sacrifices faut qu'il fasse à la petite en blanc. Quelle mince. Quelle douce. Est-ce que vous allez bien, hein, mademoiselle Véronique? Tout m'est passé. C'est que j'aurais tant voulu vous parler un instant, seul à seul. Vraiment? Alors, ce temps, je me ferai faire mon appétit pour vous écouter. Parlez, M. Tristan. Parlez. Oh, bien que je sache à peu près tout ce que vous avez dit. Et quoi donc? Mon Dieu, que vous pouvez trouver gentille. Dites jolie. Ah, jolie, soit. Idéal, mère. Elle est toujours idéale, la femme qui vous inspire un caprice. Un caprice? Oh, pardon. Une passion. Pour vous, un caprice doit s'appeler une passion. Ah, méchante, pour vous les rire. N'est-ce pas le meilleur parti? Pour rider, en moi, je soupire. Vous soupirez sans ces gentils. Moi, je vous en prie, prenez pitié.
vraiment délicieux, cette petite Véronique. Prenez garde, vicomte. Vous me semblez en train de vous emballer à fond. Et ces petites-là sont les plus dangereuses. J'en sais quelque chose. Mais que m'importe, je me pique au jeu. Oui, et vous n'avez que jusque ce soir. Jusqu'à ce soir, oui, c'est pas mal. Et encore, jusqu'à 5 heures. Les voitures sont commandées. Jusqu'à 5 heures. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Alors, vicomte, après vous entre. Ah, vous entre. Ah non, après vous entre. Pas rien. Oh, transition. Vous savez que je suis enchanté. Je suis à côté de Mme Coquenard, j'ai déjà bu trois fois dans son verre. Oh, laissez-moi, laissez-moi que je vous dise. Oh, mais voyons, ma petite Denise. Vous êtes à nous. Mais non, je suis ton mari, ton petit mari. Mais enfin, qu'est-ce que je t'ai fait après tout? Vous vous êtes à nous demander quand vous avez profité de ce que nous étions faire dans un petit chemin pour m'embrasser. Et malgré vous. Oh, c'était malgré moi aussi. Hein. Mais enfin, tout à l'heure, quand je t'ai embrassé, elle a rien dit. Il y avait du monde, ça ne sentait pas. Oh, sapristi, t'es aussi par trop naïf, ma Denise. Si à chaque fois que j'aurai envie de t'embrasser, je dois convoquer toute ta famille, alors non, hein. Oh. Je ne dis pas ça. Il fallait avoir un peu de patience. Ma pauvre fleur d'oranger, j'aurais pu la porter. Oh, pour un simple petit béco. Mais je porte bien la mienne, moi. Oh, le symbole, c'est des bétoles. Les symboles, c'est des bêtises. Allez, allez, va donc pour toi faire un brin. La note va arriver. Embrasse-moi. Hein? Il n'y a pourtant personne. Oh, maintenant, vous avez commencé. Je peux continuer? Oh, et plus tôt deux fois cuit. Continuez. Vous êtes un monstre. Oh, et toi, t'es un ange. Un vrai ange. Et t'étais bien digne d'épouser un théâtre. Ah, voilà la note. Mesdames et messieurs, pardon si je vous dérange, mais je me présente comme ambassadeur. Mais de quoi qu'il s'agit donc? Oh, oh, mais il me semble que je connais cette tête-là. J'y suis, l'homme aux fleurs. Le domestique que j'ai rudoyé ce matin. Ça va bien? Pas mal, merci. On dirait qu'il a repéré ses épines, hein? Eh bien, voici la chose. Nous sommes là en nombreuses sociétés, il y a des dames, et d'entendre la musique, ça leur a donné des fourmis dans les jambes. Alors elles m'ont chargé de vous demander la permission de profiter des violons. En échange, j'offre du champagne. Du champagne? Ça va vite? Oui. Moi bien, du champagne. C'est le micro de Panaco qui régale. Ouais, non, ça va? Non, et puis tant plus qu'on est fou, tant plus qu'on rit. Ouais. Allez, appelez votre société. C'est ça. Là, c'est arrangé, vous pouvez venir. Oh. Arrivez donc, charmante Estelle. Mais ne me lâche plus. Je me réserve la première. Il ne sera que temps. Ah, chère Agathe, je vais enfin pouvoir vous étreindre. Oh, un peu de modération, monsieur. Mais jamais de la vie, le fil de mes aïeux était en avant et quand même. Oh, mais ce n'est pas très gai de faire passer dans le monde avec seulement deux violons. Si on chantait en même temps. Ah, oui, 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 I'm
nous garder le plus longtemps possible. Sans vous demander si ce retard vous fait avoir pour moi les plus grandes conséquences, je ne suis pas attendu. Par un amour. Et quand cela serait? C'est justement ce que je ne veux pas. Croyez-vous que je n'ai pas démêlé votre manège depuis ce matin. Vous avez tout fait pour me troubler, pour vous emparer de mon cœur. Et vous y avez trop bien réussi. Aussi, tant pis pour vous. On ne se joue pas à Sinanum. Et je jure bien maintenant que vous êtes à moi. Je vous dis contraire. Demain ce soir, M. Forestan, vous verrez. Non, non. Non, non, non. Et pour commencer le baiser que vous m'avez refusé tout à l'heure, mais lui, j'y ai droit. Et je vais le prendre. Oh, oui, vous feriez une chose pareille. Mais pourquoi pas? Vous allez voir ça. Je vais vous approcher la tête. Mademoiselle Véronique va l'appeler. Voyez-vous le monde, la société, la force armée, qui va se mettre sur pied. Parce qu'un aimable galant va venir quelque peu chiffonner une grisette. La raison. Ici, je ne suis qu'une grisette. Une grisette mignonne, et tout aimable personne, qui va faire sans façon le pas d'un pain, mon garçon. Si vous êtes jeune et faible, si que vous êtes faite faible, n'est-ce pas pour le désir, n'est-ce pas pour le plaisir. Ah, mignonne, mignonnette, ne faisons pas notre tête. Et quand on les embarras, voyez-vous, cela n'est pas la mère que d'une grisette. Un baiser pour la grisette, ce n'est rien qu'une amusette. Quand on lui dit je le veux, elle doit t'en donner peu. Les trésors qu'elle possède, sans compter elle les sait. Auprès d'elle être amoureux, cela veut dire être heureux. Ah, mignonne, mignonnette, ne faisons pas notre tête. Et quand on les embarras, voyez-vous, cela n'est pas la fève que d'une grisette. Mais il n'y a pas de plus grave d'un pays. Pour moi, je n'ai pas bien fait rappeler.
Jamais, 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 j
Bien sûr, quelle impatience!
dis, mademoiselle, je suis abruti par le chagrin. Ce qui m'arrive depuis ce matin est tout simplement fantasmagorique. Ah, y a pas d'autre mot. Vous parlez d'une nuit de noces alors. Je me demande bien ce que la tante Benoît, les invités et le reste ont dû penser. Mais puisque votre femme et tante Benoît étaient du complot. Ah oui, mais moi je n'en étais pas. Aussi dans la voiture, j'ai eu une bien désagréable surprise lorsque j'ai voulu taquiner un brin les jambes de ma petite femme et que j'ai reçu une giroflée que les oreilles m'en grésillent encore. C'était les jambes de mademoiselle. Séraphin, je vous ai déjà prié d'oublier le moindre détail de cette journée. Suffisite, madame la comtesse, suffisite. Mais c'est égal, c'est dur pour un marié de passer sa nuit de noces à servir des consommations aux autres quand il en aurait tant besoin lui-même. Oh, Séraphin! On se tait, madame la comtesse. Mais quand même, si l'une d'entre vous pouvait suggestionner à sa majesté de ne pas faire durer le bal trop tard afin que je puisse m'appliquer à Romainville pour retrouver ma Denise. C'est bon, Séraphin. On verra rendre votre liberté le plus vite possible. Mais en attendant, répondez. Le monde, comment est-il arrivé? Un peu, mais le fretin, les nouveaux, ceux qui sont invités pour la première fois, le dessus du panier ne sera là que dans une demi-heure, vers 10 h. Très bien. Alors vous vous tiendrez dans l'antichambre à côté de cette service. Et quand on annoncera le vicomte au restant de Balafour, vous viendrez immédiatement nous prévenir. Allez, c'est bien, mademoiselle. Oh là là, j'ai le sang qui bout. En passant, je vous fais une place. Oh, c'est pas ça. Il est sur le cri. Oh, mais pas plus que moi. Moi, je m'attends au cri. Je suis pas la foule et bien pressée de connaître avec lui. Ah, peut-être ça t'a remis la pensée à une certaine Véronique. Alors, en ce cas, il lui sera tout pardonné. Mais je ne viens plus en place maintenant. Allons faire un tour dans les salons. Oui, d'autant plus qu'un arrivage invité menace à envahir celui-ci. Oh!
nous sommes chez le roi. Mais qui aurait pu imaginer ça ce matin? Oh, c'est vrai. En rentrant, nous avons trouvé cette invitation. Bal aux Tuileries, monsieur Coquenard. Et sa dame! Oh, il pense à tout, notre bon roi. Quelle tâche! Tout à fait grand siècle! Heureusement que j'avais commandé mon uniforme il y a un mois, enfin à tout hasard. Mais est-ce qu'il me va bien? Oh, mais très bien! Oui, par exemple, le bonnet à poil m'illumine un peu. Oh, oui, mais seulement en tenant bien droit. Et toi, comment me trouves-tu? Oh, ruisselant! Oh, aussi bien que mademoiselle Estelle? Estelle? Ah, oui, le grisette. Enfin, tu penses bien. Tu penses bien qu'un homme qui est reçu à la cour, on n'y rencontre pas de ses pires Agathe. Embrasse-moi! Oh, le petit prince! Non! Oh. Je veux pouvoir dire à tout le monde que je t'ai embrassé chez le roi. Mais un peu tenu, monsieur Cognac. Il faut passer quelqu'un. Mais non, c'est un domestique avec un plateau. Mais au fait, nous prendrions bien quelque chose. Oh, oui. Ah, oui. Il y a un majordome, un grand fait, qui m'a dit qu'est-ce que vous fichez là, comme un train dans l'antichambre au lieu de servir les consommations. Alors je viens par ici parce qu'il y a moins de monde. Dans les salons, c'est plein de gourmands qui ficheraient tout. Après vous, garçon. Oh, Séraphin! Elle m'a dit tantôt! Monsieur et madame Coquenard! Ah. Oh, tenez, je vous recommande cette orangeade, c'est frais au gosier. C'est vrai? Oui. Allez, oh. À la mort, hein! Oh. Mais il va faire du tout, il va faire du tout, non? Ex-ci, pas vrai? Oh! Et alors, comme ça, vous êtes donc à la cour! Et vous voyez, j'y fonctionne! Et alors, et votre femme? Ma femme? Mais la femme, oui. Votre femme que vous avez laissée à Romainville avec sa tante. Bon, allons donc. Mais la preuve que vous avez ramené Estelle et Véronique à leur place. Oui, non. Et madame la comtesse qui m'a défendu de faire la moindre allusion à tout ce qui s'est passé. Je sais pas ce que vous voulez dire. Oh ben, elle est forte celle-là. Oh, vous savez pas? Non. Et puis d'abord, c'est trop curieux. Voilà. Et puis vous me retenez dans mon service quand j'ai tant de travail. Oh, moi je ne sais rien d'abord. Rien du tout. Je ne sais rien. Oh, ils m'ont donné foi. Oh, bah par exemple. Oh, ce garçon a quelque chose qui n'est pas naturel. Bah, enfin, il se sent peut-être offert à lui-même un peu trop de consommation. Hein? Et si nous nous répandions à notre tour dans les salons, madame Coquenard. Ah, j'allais vous le proposer. Oh! Quoi donc? Mais ces deux dames là-bas qui se dirigent vers ici. Hein? Ce n'est pas possible. Pareille ressemblance. Il faut avoir le cœur net. Oh.
conserverai toujours le souvenir. Je vous prie, n'oubliez. C'est maintenant que les présentations sont faites, vous me permettrez d'aller au-devant de mon futur. De Florence Parfait, de M. Valincourt. Mais vous savez donc pas. Mais quoi? Il ne viendra pas, M. de Valincourt. Ah, quoi? Mais devinez où il est pour le moment. Où ça? À Clichy. Bouclé comme un simple boutiquier qui n'aurait pas payé sa femme noire. Pas parler, expliquez-vous. Ah, très bien, voici la chose. Oh là là, c'est difficile de parler avec un bon état. Ouais, je vais l'ôter. Eh bien voilà, après votre départ, quand on lui a eu remis votre adresse, M. Valincourt a complètement perdu la tête. Il a déclaré qu'il veut se mettre à votre consulte et retrouve à tout prix sa véronique. Oui, alors le baron, enfin, c'est-à-dire Lousteau, là, j'ai eu le temps de le remettre. Oui. Lui a fait observer que sa fiancée l'attendait au bas des Tuileries. Au diable, les Tuileries! Au diable, mademoiselle de Solange! A répondu M. Valincourt. Oui. Alors, le baron, enfin, c'est-à-dire Lousteau, là. Enfin, non, pas moyen. Je vous demande pardon. Le baron a sorti de sa poche une lettre de change et une contrainte. Il lui a dit qu'il était dans la nécessité de l'arrêter. Comme capitaine de la France armée, j'ai même dû prêter ma porte. Enfin, un homme qui nous avait payé un si bon déjeuner, j'ai des boutons. Voilà. Alors, à la frontière, on a réquisitionné un fiacre et à l'heure qu'il est. Oh mon Dieu! Prison à cause de moi. Ce n'est que trop bien réussi. Oh, mais quel scandale! Quand il faudra annoncer à Sa Majesté. Oh. À combien se monte la lettre de change? 20 000. Ma tante, allez dans votre appartement chercher l'argent. Avec une bonne voiture, peut-être arriverons-nous assez vite pour parler au directeur de la prison. J'y cours, je reviens. Madame d'Azur, mon bonnet à poil. La nouvelle à Montaigneur. Il va venir, il vient. Déjà?
mademoiselle de Solange, se permettre de payer mes dettes. C'est une indiscrétion, une inconvenance, le temps de voir mon oncle, de lui démontrer la nécessité de rompre avec éclat. Mais c'est pas Cunard. Tiens, Florestan. Agathe, d'où ici? Eh oui, avec une invitation, mon cher. Cela vous étonne un peu. Oh, je sais que le château n'en est pas avare. Eh bien, vous êtes poli, à la bonne heure. Ah, pardonnez-moi, mais voyez-vous en ce moment, je suis tellement contrarié que... Mais vous entendiez le quoi? D'avoir enfin retrouvé votre Véronique? Véronique? Oh, vous êtes donc étonné. Oh, mais je le savais avant tout. Mais vous saviez quoi? Comment? Vous n'êtes pas au courant? Oh, mais alors, si vous ne savez rien, mieux vaut que je vous en rappelle toute la surprise. Mais quelle surprise? Mais parlez, je vous en prie. Oh, eh bien, Véronique et mademoiselle de Seulement ne sont plus seules les mêmes personnes. Et sans vous en douter, vous avez passé toute la journée auprès d'elle. Tandis que vous faisiez le galant auprès de l'innocente Véronique, mademoiselle de Solange a dû bien rire tout bas et se moquer de vous, comme de vous tous d'ailleurs. Ainsi, j'ai été joué par mademoiselle de Solange. Je l'aime à présent. Et elle? Elle, pardieu, en ce moment, elle triomphe. Elle m'attend pour s'amuser de ma confusion. Pour en rire, peut-être. Eh bien non, je te jure. Mille fois non. Elle n'en rira pas. À nous deux, mademoiselle, ma future. Chose, mademoiselle, il faudrait d'abord savoir à qui j'ai l'honneur de parler. À mademoiselle de Solange ou à Véronique? Pourquoi vous inquiétez? On vous a tout dit? Ce n'est pas dur. Vous avez parlé? Dites quelque chose? Mais je vous le répète, pas avant de savoir à qui j'ai l'honneur.
Ce billet au duc de Valincourt. Mademoiselle.
vous êtes un brave homme. Il s'est mis à rire et m'a serré la main. Bien, voilà une main que je garderai toute ma vie. Leur Majesté font savoir à Mademoiselle de Soulanges qu'on l'attend pour la signature du contrat. Le contrat, c'est qu'il est loin maintenant. Venez-vous, Mademoiselle. Voulez-vous croire réellement que j'aurai le courage de m'éloigner? Quelle allait plus de mal. Vous disiez que j'étais charmé du choix que le roi avait fait pour moi et que je m'efforcerais de m'en récompenser. Oh, le méchant, comme il s'est vengé. Il fallait bien que nous puissions quitter. Dire que voilà un petit bonheur qui est un peu mon ouvrage. Ah, monsieur Loutichot. Ah, pour 6 mois au moins, le baron des Merlettes. À votre service, belle dame. Grand merci, baron, mais j'ai un bras. Et un cœur. Qu'importe. Vous avez de jolies demoiselles de magasin et je vous promets ma pratique. Madame la comtesse, je peux-tu m'en aller? Oui, vous êtes libre. Veille, je fuis à Romainville. Romainville? Nous y retournerons, n'est-ce pas? Véronique.